Oui, bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau jeu. Et aujourd'hui, c'est tout nouveau puisque c'est un jeu sur Switch. J'ai enfin reçu mon appareil Avermedia qui me permet de diffuser les jeux de la Switch sur mon PC. Enfin, d'enregistrer et de diffuser les jeux sur la Switch à mon PC. Donc je vais pouvoir faire des jeux sur la Switch. Donc on y va avec ce premier jeu, avec Mario plus les lapins crétins, Kingdom Battle. Un jeu assez sympa, je trouve vraiment bien. L'histoire principale. J'ai déjà testé le jeu, donc c'est cool. Bon, pour l'instant j'ai pas beaucoup de jeux sur Switch, mais ça viendra par la suite, j'en suis sûr. All right, Beepo. That ought to fix the overheating problem. Can you believe it's been 3 months since Tech Magazine put me... Okay, us, on the cover? The Super Merge takes item A and item B and combines them to create item C! Oh, if only it were that easy. The article says nothing about dark matter, space-time manipulation, practical applications, nothing! I mean, the Super Merge could solve the energy crisis, Beepo! Watch! Huh? Oh, not again. Sorry, Beepo. Let's take a break and come back at this overheating thing fresh. On va faire quelques petites missions. D'habitude, dans une vidéo découverte. J'aime bien le tapis. C'est top. Le tapis manette NES. Donc avec l'Avermedia, je pourrais vous montrer faire des jeux sur les mini-consoles, la mini NES et la mini PlayStation. Je pourrais vous montrer un peu les jeux qu'il y a dessus et tester quelques petites parties. Donc je reprends le live jeudi sur YouTube. Je monte dans la soirée. Dans la journée. C'est marrant de voir le lapin avec le casque PSVR. Si on peut voir aussi que le fond derrière moi ne grésille plus trop, puisque maintenant je fais mes vidéos avec plus avec Gamecaster, mais avec Broadcaster. Donc, c'est un petit peu meilleur pour la qualité d'incrustation, je pense. Ah!
on teste des trucs et puis ça améliore. Hein. La traduction est assez longue, hein, ça fait déjà 5 minutes. C'est qu'il y a un petit peu dommage sur les jeux Nintendo. Non, on peut passer ou pas? Je ne pense pas. Mario plus les lapins crétins. Je ferai tout à l'heure sur Mario Odyssey. Ah. Ok, donc c'est parti. Donc on est le petit robot. Ça sera encore provoqué par l'intrusion de notre monde dans celui-ci. Ok. Donc il glisse bien. Hein. C'est un petit peu pour le manier. Ah, je pense que j'essaierai de fermer juste sur Broadcaster que Gamecaster parce que la qualité est meilleure. La qualité est bien meilleure. Il n'y a pas de lag, il n'y a pas de frise. C'est parti. Donc là il y en a deux, il faut les combattre. Donc, c'est de la stratégie hein, tour par tour. Pas sûr, mais ça déjà des ennemis est une batterie. Un d'entre eux est particulièrement et partiellement abrité, le champ de toucher sont de 50%. L'autre a découvert ce qui donne 100% de champ de toucher. Vous pouvez changer de cible avec le stick gauche, appuyez sur A pour tirer sur la cible sexuelle. Et changer la rotation, et puis il a 50 et lui il a 100. On va faire d'abord bim, t'es mort, one shot. On va faire ça. Bim. Et tirer, t'es mort. Et voilà. Pas sans rien de très difficile, mais après ça se complique. J'aime beaucoup plus la stratégie qui est compliquée de
les avoir, il y en a de plus en plus. C'est des balaises. Ok, donc deuxième, prendre les bases. Les lâches sont complètement abrités. Maintenant, nous avons 0% de chance de les atteindre. D'ici, leur abri sera touché. Les gros tubes là comme ça, ça leur fait rien. Dépassez-vous pour trouver une position de tir offrant 100% de chance de toucher. D'accord, non. Je vais se mettre ici, c'est bien. Boum. Est-ce que je peux faire du one? Je suis pas allé sur lui. On peut leur foncer dessus, ce qui est assez utile. Comme ça, on peut aller se cacher après. Donc, je reste dans la zone bleue. Hein. C'est la délimitation du déplacement. Je vais foncer dessus, bim. Ça, il faut toujours leur foncer dessus et après tirer. Ça offre. Ok, elle. Ouais, elle va se déplacer ici. C'est fait rien du tout, elle bloque devant. C'est mort. Même pas. Ok, bah Mario il va y aller. Hein. Yo. Bim. Voilà. Terminé. Yeah. Avec les pièces, ça sert à acheter des améliorations et des armes. On peut acheter deux trucs aussi. Maniabilité un peu complexe. Vraiment, il n'y a pas de temps. C'est une nouvelle arme. Je crois qu'on peut pas changer les armes pour l'instant. Non, on peut pas changer.
faut arriver à un espèce de quartier central pour changer. C'est marrant, je vais à la suite sur mon PC. C'est le jeu sur mon écran de ma télé. C'est vrai que la Switch, c'est vraiment des jeux vraiment très jolis. Hein. L'effet graphique est vraiment bon. C'est vrai que j'ai vraiment bien aimé. On va lui donner un petit shoot. Et on va revenir ici. Bip. Suivant. On va lui donner un petit shoot. Ici. Bim. Strike. Puis il me shoot. Peut-être pas du tout. Ah, ils sont malins. Pas si crétins que ça. Je vais mettre là. On va casser la gauche. Gagné. Yes. Yes. Bon. Oh. C'est plus dur là. 1, 2, 3, 4. Yeah.
Je peux pas m'avancer. Merde, je suis con, ça m'arrive. Et oui. Il s'échappe. C'est de le striker. Même pas, hein. Ouais, c'est compliqué, là. Voilà. Yes, c'est réussi. Oh, yeah. Récupère la vie. C'est trop fait. Elle parle en basse. La guitare en basse. C'est pas mal. Marrant. Encore un plan de construction. Un nouvel objet sur le méga VR, un endroit qui permet de savoir ce que c'est. Tu peux pas y aller. Pièce important pour acheter des trucs. Alors, est-ce qu'il faut aller? Il faut aller par là. Pas l'air d'avoir grand chose par là. Ah. Je n'ai pas appris à faire ça. Tu peux pas encore pousser les blocs.
Ah, y a Todd. Où ça m'a envoyé quelque part. Oh là là, je vais me parler ici. Oh là là. Comment c'est? C'est moi de les avoir. C'est pas évident, dirigeant. Je me rapporte l'écran de l'ordinateur, c'est pas le même qu'à la télé. Sur la télé, la direction est pas la même. Turbine, cool. Bon, ben on va s'arrêter là. C'est la cinématique, et puis on va se quitter là pour cette vidéo sur Switch Mario et Lapin Crétin Kingdom Battle. Très bon jeu, hein. Très joli, très coloré, très sympa. Vraiment bien aimé. Et je ferai un peu plus tard une vidéo sur Super Mario Odyssey. Yeah.
s'amuser. Ok. Bon ben voilà, on va s'arrêter là. Donc sa petite combine. N'hésitez pas à me soutenir, lâchez un petit pouce bleu. Ça fera très plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et que la chaîne vous plaît, ça vous fera très plaisir aussi. Ramenez le maximum de personnes, faites la pub autour de vous, ça vous fera très plaisir aussi. Laissez un commentaire si vous souhaitez, ça fera très plaisir aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça fera très plaisir aussi. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeu qui sera certainement Mario Odyssey sur Switch. Et je vous souhaite une très bonne journée. Salut les petits amis, c'était Wizard. À bientôt. Yahoo!